Là, fini. On ne m'y reprendra plus. L'étranger, terminé. Vacances en France, décidé. L'étranger, c'est intéressant au début, mais finalement, c'est toujours pareil. Quand on y est allé une fois, on connaît, ça suffit. Et puis, pour ceux qui sont tombés malades, oh ben merci. Vous êtes tombé malade à l'étranger. J'aurais pu. Avec ce qu'on nous servait à manger, c'est miracle. Allons donc, à l'étranger, on mange exactement comme en France. Écoutez, on est parti 17 jours. Écoutez-moi bien. On a fait l'Italie, la Turquie, la Roumanie, Djibouti, la Somalie, la Lituanie, l'Albanie et retour par la Laponie. Eh ben, écoutez-moi bien. Simple exemple. Écoutez-moi bien. Impossible de se faire servir un pâté de campagne, des steaks frites, tout comme mon beurre et un petit rosé. Vous avouerez quand même drôle de vacances. Mais qu'est-ce qu'on vous servait donc à manger? Hein? Est-ce que je sais, moi? Je n'y ai pas goûté. Enfin, des plats bizarres, avec des sauces étranges, épicées à la limite de l'épissage, m'a-t-on dit. Enfin, des plats locaux, torboyaux, rince-bidule et coince-machin. Non mais, ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on va changer ses habitudes. Alors, pendant 17 jours, jus d'orange et tranches de banane, pas envie de m'empoisonner. Mais où mangez-vous donc? Au restaurant, où voulez-vous qu'on mange? Pas chez l'habitant, quand même! Ça, c'est incroyable. Nous, en 14 jours, on a fait la Fargan, le Fénergan, le Blouchistan, le Pratistan, l'Indouchtan, la Fargan, l'Iran, le Vauban. Et ce fut parfait. Chêne, l'hiver hôtel, air conditionné, petit déjeuner, continental, cuisine internationale, musique occidentale, toutes les chambres, lits jumeaux, moquettes bleues, table de nuit rose et téléphone gris. Et une photographie du pont de Brooklyn en confort maxi. Et quel dépaysement, cher monsieur, quel dépaysement! Il suffisait de regarder par la fenêtre pour s'apercevoir qu'on était ailleurs. Eh ben, nous, écoutez-moi bien. Il arrivait que dans certaines auberges, à la place de lit, on ait des nattes. Authentique et crache dessus, je jure. Ça alors? Nous, on avait le choix pour le petit déjeuner. Je ne sais pas, petit bout de steak, hamburger à cheval ou sans cheval, un poulet pané frit, enfin des trucs civilisés, quoi. Et il suffisait de regarder les serveurs pour s'apercevoir qu'on était ailleurs. Oh, quel spectacle! Un folklore, monsieur, mais propre. Ben, vous avez eu de la chance. Ben, écoutez, le Japon, écoutez-moi, le Japon, par exemple, eh ben, on aura beau dire tout ce qu'on veut du Japon, mais du pâté de campagne, on a du mal à en trouver. Ah bon? À l'univers hôtel de Kyoto, on a eu du hamburger, sans problème. Poisson cru et bidet de crevettes. Non mais vous entendez ça? Enfin, quel type de voyage avez-vous donc retenu? L'Hokkaido. Évidemment, si vous cherchez la couleur locale. C'est le circuit international qu'il faut prendre. Mais écoutez, le prix? Il vaut mieux, cher monsieur, voyager un an sur deux et manger comme chez soi. Oui, mais l'année où on part pas, que faire? Aller ailleurs. Oui, c'est une idée.